Yo, bien le bonjour ou du bonsoir, c'est Traclass. Salut à tous, c'est Colton. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Stranded Deep. Coopération. Ok, c'est tout, d'accord. Ouais, c'est parce qu'il y a quoi, je devais dire quoi? Bah, je sais pas, moi, faut improviser. Hein. improvisons. Hein. Là-dedans, il y a une caisse qui est là, là, qui est du cuir et tout. Alors là, en fait, je vais simplement me refaire une hache, moi, pour le coup. Parce que, donc, on va aller chercher un peu de fibreux, parce qu'il n'y a plus trop de fibreux. Oups. Ah non, c'est une corde. Ouais, j'avoue que j'ai une pioche, mais j'ai pas de hache, moi. Ah mince. Dans tout ce bordel, là, il n'y a pas de... Je les mets un peu plus loin. Tu mets qui un peu les plus caisses loin? Parce que j'ai pas envie que ça soit emporté par la mer. La mer. Et pas la mer de ma mère, de la mer à moi. Hein. Mais la mer de la mer à la mer à toi. Voilà. Mais bon, c'est pas la mer à boire. Ça va là-bas. Oh, il a même pas. Ça. Que dalle, il ça a va pas... là-bas. Oh oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais comment il fait? Mais moi j'arrive pas à lancer comme ça, moi. J'arrive pas à lancer comme ça, moi. Attention. Poule. Oh non. Oh là, j'ai peut-être un peu trop abusé. Oui, il est où? Ah. Ah, j'ai vu une caisse tomber, je crois. Elle est où? Loin. Loin où? Dans l'eau. Mais non. Comment dire? Je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais j'espère que c'était pas très important. elle a coulé. Bah j'ai fait un home run, hein, là, mon gars. Ah, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Bon bah du coup on part à la recherche d'une caisse. Oh là là, en plus c'est profond. Hein. Mais je pensais pas être aussi fort en fait. C'est profond mais grands eaux, j'espère qu'elle a pas coulé. Puis s'il y a ça des flotte, requins, on va être mal. Techniquement, non. Toi t'avais un harpon, je crois. Ouais. Bah, j'espère pour toi que ça flotte, mais c'est parti où surtout? Je sais pas, je te dis, j'ai fait un home run. Donc là, on est à la recherche d'une caisse et on sait pas où elle est, c'est ça? Ah, requin! Un requin! Un requin! Un requin! Je pense que la caisse, elle est. Oh, un requin! Je pense que la caisse, elle est foutue, hein. J'ai fait un peu trop le fou, là. Hein. Il est où? En plus, le pire, c'est que je voulais l'envoyer à toi, mais du coup, elle est partie dans l'autre sens. Le requin, il est censé être vers toi, là. Je le vois pas pour le moment. Ah, il y en a un petit là. Ah bah je peux rien lui faire. Ah mais ma lance elle sert pas à ça en fait. Ah oh il m'a attaqué. Marteau, le requin. Il m'a attaqué. Je l'ai tiré dessus. Il l'a dans le harpon dans les fesses. Le requin marteau. Ouais. Attends, si tu peux récupérer le lance harpon. J'arrive pas à récupérer ma munition. Quand on est blessé, il nous faut un bandage. Ça dépend, tu saignes, oui. Ouais, je saigne. Mais il lui faut combien de balles, du coup, là? Mais allez, j'aimerais bien récupérer mon... J'ai plus de munitions, sinon ça coûte trop cher, les munitions. Oh là là, vas-y, c'est bon, j'abandonne, je vais aller poser ça, de toute façon, ça sert à rien, en vrai. Vu le temps qu'il te faut pour faire le machin, plus les munitions... C'est même pas efficace en plus, donc... Et si je mange, ça va pas aller? Genre, je vais perdre de la vie tout le temps si je suis blessé? T'es blessé, blessé? Bah, t'as je saigne. Bah, si tu saignes, il te faut un bandage. Ok. Comment on fait les bandages, déjà? Pardonnez-moi, j'étais mute parce qu'en fait j'éternuais. Ah oui, c'est vrai. Alors, oh, c'est ça un bandage, mais c'est cher. Ouais. On a une machine qui produit du tissu. Qui produit, non. Non, mais on peut faire du tissu avec quelque chose là qu'on a avec nous. Parce que bon, tissu, on a un métier à tisser. Tissu, j'en ai plus déjà. Mais c'est pour ça qu'il fallait qu'on aille chercher du fibreux. Ah, ok. Et il faut que je refasse une corde. Ah, donc il faut que je fasse une hache. Mmh,
Mais même une hache, ça coûte cher. On a même pas de pierre sur cette île nulle là. Je vais Ça mettre va mes pas caisses repousser les pour pierres moi. là? Non. T'as cassé toutes les grosses pierres avec ta pioche? Ah, je crois qu'il a éternué. Non. T'as éternué? Ouais, mais excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai du mal aujourd'hui. Là, il y a de la pierre. Alors j'ai fait un bandage. Une dose. Un rouleau de bandage peut servir à stopper une hémorragie. Et comment on sait si on est sous hémorragie? Monsieur, que ta montre? C'est marqué quelque chose? Parce que moi là j'ai juste du sang et sinon c'est tout. Mais sur la montre, tu peux changer. T'as plusieurs fenêtres. Ah oui, c'est vrai. Ok. Et tu vas Ah oui, jusqu'à là où hémorragie. c'est marqué état, bah voilà, bah il te fait un bandage. Ah ouais, Donc tu ok. vas mourir dans d'atroces souffrances. Voilà, bah j'ai plus d'hémorragie. Par contre, je me rends compte que. Sans pas de la tarte cette histoire. Bon bah allons chercher donc du fibreux pour faire des tissus parce que je pense qu'on va être blessé souvent. Parce que je pense que par la suite on va aller se battre avec des requins. Attends, j'ai un problème psychologique là, mais C'est ah, c'est là. pas grave. Ah oui, l'essence. Qu'est-ce qu'on met alors? Ah oui, c'était je sais plus Des quoi. patates. Des patates, ah oui, c'est vrai. Des patates qui poussent pas là-bas. Non mais ça va pousser. On va aller faire un petit tour et quand on reviendra, les patates auront poussé. J'espère, hein. Ah oui, je voulais faire une hache avant. Et il nous faut du fibreux donc. Un bout de bois. Par contre, si je pouvais éventuellement. Mais attends, mais du fibreux, il y en a là. Hein? Où ça? Ah oui, ça repousse. Comme Oui, mais dans tous non. les cas, il nous faut de la pierre, enfin, il On nous faut des va. ressources, quoi. Vas-y, prépare le radeau. On va aller faire un petit tour. Bah attends, il me faut une ficelle. Ah, c'est chiant ça. Comment j'ai une ficelle? Voilà, comme ça j'ai une hache. Ça me paraît pas trop mal. Ok. Eh ben, mon ami. Hop là, t'es prêt? Pourquoi pas? Parti. J'ai un petit problème. Attends, je vais juste faire un petit truc. Hop là, c'est bon. Il me faut juste ma petite là. Tac, 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 et tac. Il nous reste des Allez. cailloux ou pas là? Ok. Bah non. Enfin, il y en avait un, si tu veux. Je sais pas si t'en... Mais c'est justement pour ça qu'on part. Sharif. Ok. Eh ben allons n'importe où. Attends, tu m'entends là? Oui, je Oui? t'entends. Ok. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Hein? Pourquoi tu poses là? T'es un malade mental? Ah non, je prends juste ma boussole. Ah, mais là, il y a plein de fibreux là, il y en a 24. Ah bah tu vois, et on en a. Du coup. Bah ouais, mais on va partir quand même, hein. Ouais, mais d'ailleurs, nos caisses, là, faut les. Faut que je fasse un autre truc comme ça, c'est quoi? C'est étagère à récipient que t'as fait. Ok. Ouais. On va où? Apprends bien les coordonnées de la... Pourquoi t'as une attelle de en notre bois île. Parce qu'un jour, quand j'étais en train de mourir, j'avais mis une attelle. Ah bon? Je me suis dit peut-être ça va me sauver, mais du coup, ça m'a rien fait du tout. Mais t'as trouvé ça où? Dans les crafts. Il a une attelle en bois. On va sur l'île juste ici, là? Bah ouais, je pense, hein. Attends, nous on vient de là. Non? Ouais, nous c'est l'île la plus ridicule. Ouais, nous c'est Norvin. J'ai l'impression que c'est Norvin. Rappelle-toi, dans le tout début, dans la première partie où on est mort, notre île, elle Ouais. était à Norvin aussi. Enfin, on partait du coup direction opposée à Norvin.
Oh là là, je suis pas clair. Donc on partait direction sud-ouest, sud 200 sud-ouest. Donc vers 200 sud-sud-ouest. Je sais pas comment on dit, ok? On est lent là. Hein, le vent est peut-être contre nous. Je sais pas si ça fonctionne comme ça, mais là on va arriver. Ouais, il va y avoir une tempête. Tout ce que je sais, c'est qu'on est lent là. Hein. Tout ce que je sais, j'aurais pas de regrets. Oh, bah non, je suis tombé. Bah, frère, on n'est pas si loin que ça. Parce que j'arrive pas à rattraper. Je sais pas si t'as vu l'action. Genre, j'étais là, j'ai sauté, j'étais là, et je suis tombé dans l'eau derrière. Bon, c'est vrai si que je... techniquement, si on saute en mouvement. Tu devrais atterrir. Pas tout à fait à la même position, mais. Ouais, mais pas. Quasiment quoi. Pas à 2 mètres. Bah là, on n'avance plus du tout. Hein. On est arrivé vers l'île. Waouh! Oh, Titanic! Titanic! Y a une pierre, Titanic! Y a une pierre. Ah bah, on a fait Titanic! Oh! Oh, t'as un drift maîtrisé. On est passé. Ah ouh, t'es pas passé loin de l'eau. Ah, attention, là, y a île, île. Il en but. Je sais plus comment on dit. Il y a une phrase pour ça. Terre en vue. Je sais pas. Non, il y a un terme, je crois. Ah, mais t'as mis le. T'as mis le. J'ai mis l'encre. Il y en a le crabeux. Crabeux. Hop. Aïe. Ah non, j'ai cassé ma lance. Elle était toute neuve. Perfectionnée. C'est nul. Oh mince, j'ai pas fait de couteau, moi. Ah si, c'est bon, j'ai un couteau. Mais j'avais une hache aussi, en fait. Alors, donc c'est parti pour une session récolte, les enfants. Un peu de crabe, pour faire à manger. Crabe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir un peu dépouiller ici ? Bâton. Je vais ramasser un peu les fibreux. Ça donne pas de fibreux, ça. Moi, je suis en train de ramasser les fibreux, du coup. Et j'étais hors commentary, quoi. Je pense que couper des arbres pour récupérer. Waouh! Crabe. Je ne suis pas du tout équipé pour t'aider, jeune ami. Mais je sais comment faire. J'ai vu une branche par ici. Je vais faire une lance. C'est bon, j'ai eu crabe. Bien joué, bien joué. Un cosson. Bah tue-le. Ah bah si. Ah, je me suis fait. Ah non. Est-ce que t'as un antidote, toi? Il y a un serpent vers le cosson. Je te le dis. Je te le dis, mon ami, il y a un serpent vers le cochon. Où es-tu? Je le chasse. Ah, il m'a tapé. C'est où à peu près ça du coup? Meurs. Il est là. Je t'ai vu. Aïe. Oh putain, eh oh, il est costaud le sanglier là. Ah là. Ouais, vas-y. Il y a un autre cochon derrière toi. Ah ouais, mais moi là je vais. C'est plus un marcassin. Il me faut la plante jaune. Ah oui. Il faut espérer que. Reviens, cochon. Ah, parce que le gros c'est un cochon et le petit c'est un sanglier. Oh, ceux qui ont la ref. Cochon. Tu connais toi ou pas ça? Oh là là, c'est vieux ça. Hein. Ah, c'est vieux de ouf, c'est pour ça ceux qui ont la ref, t'as vu? Elle est où le cochon là du coup? Bah, j'étais en train de le chasser, mais je t'avoue que je l'ai perdu. Ok, il est là. Ok, bien vu. Essaye déjà de te sauver la vie, trouver... Ah oui, ma plante jaune. Ouais, mais je vais la trouver. Ouais. Je le sais. Mais il est hyper rapide, le... Ouais, il est costaud. C'est Speedy Gonzales, serpent, il y a un serpent. J'entends un serpent. Putain, il est où, ce serpent? Allez, viens là. Aussi. Viens là, le sanglier. Surtout, fais attention au serpent, hein. Alors, okay. Moi, je cherche la plante jaune.
J'ai plus de place dans mon sac, déjà. Je sais que je vais la trouver le parce, jeu. Parce que j'ai foi, et comme j'ai foi, et ben je trouve. C'est comme ça que ça marche, il faut avoir si t'as foi, il faut mettre un manteau. Mais non, si j'ai foi, c'est pas un manteau. Ah, allez, bah tu vois, il faut garder foi, les amis. Parce que grâce à la foi, maintenant je vais aller piquer la gourde autre Moi, je peux te dire que je préfère avoir faux. Ouais, mais quand t'as foi, tu mets un manteau et c'est bon, t'as faux. Oh, putain. Et alors t'allumes un feu. Oh là là. Ah, je l'ai vu, le serpent. Vous voyez, gardez la foi. Gardez la foi, mon ami. Le problème, c'est que si je lui mets un coup là avec ça, il m'en faudra une autre. Tiens, dans ta tête de serpent. Il attaque, il est ouf. De toute façon, je suis de l'empoisonné, on s'en fout. Bim ! Bim ! Qui c'est qui l'a eu ? C'est Bibi ! C'est Bibi qui a plus de place. T'as vu, c'est trop bien le jeu, hein ? Je viens de larguer une caisse. Bah, t'aurais pu te retenir. Je viens de larguer une autre caisse. Encore une. T'aurais pu encore te retenir, en fait. Ça fait 4 caisses que je viens de larguer. Donc, ouais, le jeu de mots tout pourri, c'est rigolo tout plein. Ah, mais j'en avais déjà 2 dans une caisse. De petites plantes, tu vois. Moi, elle est pas fou, hein. Tu vois. J'ai pris 2 caisses avec moi. 2 caisses. Ouais. J'ai déjà plus de place. Ah, moi, ça va, j'ai de la place. Non, mais le jeu, il a vraiment des gros défauts de malade, hein. Moi, j'ai de la place, frérot. Si t'as besoin, surtout, tu me telles. Là, il y a de la ferraille ondulée, si tu peux la prendre. Ah oui, je canne parce que j'ai une caisse qui s'en occupe. Mais justement, faut trier correctement, tu vois. Faut trier, je peux pas trier, j'ai plus de place. On peut porter que 4 pots par 4 pots. Du coup, bah, mes 8 pots, ils prennent 2 emplacements, je suis content. Ah ouais, hein. Ça c'est vrai que c'est chaud, c'est comme les bouts de bouée. Les bouts de bouée, c'est pareil. Là-bas, les tôles, là-bas. Alors, je crois que c'est 7 caisses, mais je suis pas sûr. Ouais, ah bah je peux porter que 4 pierres par 4 pierres. Parce qu'on n'est pas fichu de faire un tas de pierres. Eh oui, tu savais pas. Bon, il est où le bateau là? Je vais aller poser des trucs sur le bateau là-bas. Ah, franchement, le système d'inventaire de jeu, je crois que c'est le pire que j'ai jamais vu dans tout jeu confondu. Hein. Ouais, vraiment, jamais vu une dinguerie pareille. Le pire, c'est que j'ai les sacoches au maximum, là. C'est vraiment juste que... Bah c'est nul, quoi. C'est mal foutu, hein. Désolé pour ceux qui kiffent le jeu, mais vraiment, il n'y a pas d'autre mot, hein. Juste nul, quoi. Faut pas dire ça, mon ami, faut pas dire ça. Non, en vrai, moi, je kiffe le jeu, hein. Par contre, même si je le trouve pas super complet et tout, franchement, je kiffe le jeu. J'aime beaucoup, genre, cette idée, c'est pas mal, j'aime bien. À améliorer, on est d'accord, mais déjà, bien, bien. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel et que c'est un peu gâché. Ouais. Moi, je te donne mon impression en jouant à un jeu comme ça, tu vois. Tu l'as imprimé ou pas? Bah attends que je te la donne justement. Ah ouais. Non mais sérieusement. Alors, pour moi c'est un jeu indé, hein. J'avoue je me suis pas renseigné sur le jeu et tout. Hein. Mais pour moi c'est un jeu indé, tu vois. Une petite équipe qui a buzzé d'un coup, tu vois. Même eux, ils s'attendaient pas à ça. Et puis bah comme ça a fait des ventes, bah... écoute, tant pis, hein, on va pas le chercher plus loin et on s'est fait notre bénéfice, on va pas plus l'améliorer que ça, quoi. Tu crois? Et voilà. Ah bah oui. Ce sera depuis le temps que le jeu est sorti, franchement, je le trouve un peu vide en vrai. Hein. Bah il est vide, mais peut-être qu'ils ont fait autre chose ou quoi. Il est sorti quand le jeu? Je sais pas, mais ça fait un moment déjà que je le vois tourner sur YouTube, etc. Hein. Après, je suis peut-être un gros rageux aussi, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que... Après, peut-être que en solo, il y a plus de choses. Bah, c'est un peu pareil, mais...
Oui, mais peut-être qu'avec l'histoire et tout, c'est plus intéressant, ça, pour le coup, j'en sais rien. Mais là, tel que je le vois, tu vois, regarde le nombre de conteneurs. Ça se voit qu'ils avaient prévu des trucs dans ces conteneurs. Il n'y a Ouais, jamais rien. c'est pas faux. Te dis, waouh, un conteneur. T'arrives, tu l'ouvres, bah, il n'y a rien. C'est une dinguerie. On voit C'est très bien pas que le faux. jeu, il n'est pas fini. Et depuis le temps, si vraiment. Si vraiment ils auraient envie de le finir, je pense qu'il serait déjà fini le jeu, tu vois. Au moins peaufiné, tu vois. Là, Aïe. le jeu, ça fait un moment que j'en entends parler et j'ai toujours l'impression d'être sur une alpha, quoi. Donc. Ah ouais, quand même. Hein. Ah les gars, faut améliorer votre jeu là, parce que Traclass, il a dit c'était une alpha. Ah oui, pour moi, c'est pas un jeu fini, ça. Bah Hein. j'avoue qu'il y a quand même pas mal de petits problèmes, mais bon. Il y a comme la lumière là. Ouais, là j'avoue que dans On ne la nuit voit c'est chaud. Hein. rien. Faites des paramètres avec la luminosité, et puis voilà. Ouais, je comprends Après. pas. Oh, il y a de la pomme de terre là, attends. Après, je sais très bien que c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je suis pas Mais. développeur. Bah, moi non plus, c'est pour ça que je dis ça. Mais quand même, quoi. Bon bah du coup j'ai bouffé toutes mes rations de survie. Est-ce que je reprends un peu de vie? Ah on y va, c'est bon? Ah bah non, j'ai pas rempli toutes mes caisses moi. Bah rempli, rempli, hein. T'as tout rempli là, même sur le bateau? Bah je suis en train d'y remplir Ah mais le justement parce que je problème suis c'est qu'on plein. voit rien, mais rien. Bah ouais, tu vois, c'est pas plaisant. Je passe mon temps à sortir mes caisses et à les re-rentrer, je te dis, c'est pas ouf, hein. Ce qu'on voit chez moi, c'est pas... Ah yeah, j'ai ma lampe. Comme ça me fera un emplacement de plus utilisé, mais du coup je peux rien prendre. C'est comme les îles, là, il y a plein d'îles et à rien. Alors, on va aller explorer les fonds marins à l'aide d'une torche. C'est pas bête, je vais aller explorer ça là-bas. Et hop! Oh, une raie. Une ration de survie. On n'est pas venu pour rien. Et une autre torche, bah elle va rester là, celle-là, parce que. On a... Oh, des pneus! Il y a trois pneus! Il y a des pneus! Hey, bro! Bah, essaye de les prendre si tu peux. On va pouvoir les mettre sur le radeau, on va pouvoir essayer, ça va être marrant. Des pneus! Ah, attends. Ah, mais attends, je vais même pas avoir de place pour les récupérer, ce truc. De quoi les pneus? Non, de l'argile. Je vois même pas où ça tombe, mon argile. Ah, c'est vrai qu'on a besoin d'argile aussi. On va pouvoir faire une autre base de radeau grâce aux pneus. Je suis en train de respirer parce que j'allais mourir. En plus, ça va, l'île, elle est pas trop loin. Bah oui, puis maintenant que j'ai pris de l'argile, bah j'ai plus assez de place pour sortir ma lampe torche, tu vois. Ah, ça, c'est pratique aussi. Trop bien le jeu. Ah là là, on me désespère. Hein. Mais non. Allez, troisième pneu. D'ailleurs, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'est bien un pneu. Comme pneumatique, pneu, c'est un pneu. C'est pas un pneu. Mais souvent, on entend « Je viens changer mon pneu ». Non, tu viens changer ton pneu, sinon je vois pas ce que tu fais là, frérot. Non, ça serait marqué pneu, hein. Bah, c'est ça, hein. Et non pas pneu. Et pourtant, c'est bien marqué pneu. Là, même là, c'est marqué pneu. En fait, c'est Attends, mais marqué même pneus. qu'est-ce que tu. C'est quoi ta lampe torche là? Toi, je vais te taper un jour, hein. Pourquoi? Je t'ai déjà dit, j'en ai plein des lampes torches là, de les vraies. Les Ouais. lanternes là, et toi tu sors Ah ton vieux truc ouais. tout pourri. Alors tiens, Ouais, prends ça. ça bah tiens, prends ça. Ou ça. Je peux même pas la. Voilà. C'est vrai que ça éclaire vachement mieux, un peu. Mais faut pas le dire à Traclas, sinon après il va encore dire « Ah mais je t'avais dit !» Faut pas le dire. Alors attends, je vais mettre les pneus sur le radeau.
J'espère on va pas couler. Hein. On risque pas de couler puisque je les mets à côté. On va les mettre là. Mais tu sais que ça marche pas, hein, ça. De quoi? Ah là, sous le bateau, ça va se casser la gueule. Hein. Non, attends, je vais les coucher. Voilà. Ça va tenir, ça va tenir. Mais pourquoi? Bah, je vois déjà le bateau penché. On va en mettre un de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Mais pourquoi tu les as pas laissés attacher? Bah, je peux pas les laisser attacher. Tu peux pas les déplacer clic droit? Bah si, mais je peux pas les laisser attacher. Ah, ça va mieux ou pas? Ils sont attachés. On va mettre plus là. Voilà. Non, quand ils sont attachés, non, ils sont attachés au bateau, donc il faut casser pour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Waouh, mais... attends, la voile, faut enlever la voile. Faut enlever la voile. Mais encore la voile. Je voulais le tourner en fait pour partir dans l'autre sens. Oh, là. Ok. Yeah. Ça va le faire. Je sais pas où elle est notre île. Elle est nord 20, tout droit. C'est trop lourd, on tourne. Mais non, t'inquiète. Ah, on tourne. Attends. Waouh, un pneu à l'eau. C'est bon. Oh, mais tes pneus, il faut. Non, mais elle est pas là. Elle est pas là. Le bateau, il tourne tout seul là avec tes pneus. Non, mais là, je t'équipe bon le jeu. Bah non. Et là. Non, mais il en parle moins. Oula. Mais là, on est bloqué sur un caillou surtout du coup. Ah, bah c'était ça le délire. C'est bon, on est passé sur un caillou. Non, enlève tes pneus. Je peux pas tourner. Bah je. Mets-la à droite au moins là pour qu'on puisse tourner à droite. Voilà, maintenant à gauche. À gauche le pneu. Ah. À gauche le pneu. Non mais le délire. Ah oui, l'île est là-bas. Ok. Tu peux pas. Non, fais pas ça. Ok, là ça va. Ça va. Non, ça va pas. Ça va pas. Non, ça va pas. On fait des wheeling. Oh non, on tourne sur nous-mêmes. Faut pas les mettre au même endroit les pneus en fait. Ça fait trop de poils en se retourner du coup. Non, mais je crois qu'on va juste les dégager ces pneus. En plus, il y a un requin. Ah, mais non, on est arrivé. Regarde, on est arrivé. Mais non, on n'est pas parti. Je sais plus où on est là, à force de tourner sur place. Hein. Oh là là. Attends. Mais je crois que ça va dégager tes pneus, hein, c'est tout. Hein. Bah attends, sinon on va faire directement le. Parce qu'on en a besoin pour améliorer le radeau. Mais oui, mais c'est trop chiant à ramener ces trucs. Bah oui, mais il y en a besoin quand même pour ramener. Bah oui, mais le jeu est mal fait. Comment que on peut faire? Je suis pas sûr de ton idée. Non, mais je vais juste les jeter, je crois. Bon, bah, fous-y à l'eau, on verra plus tard. Vraiment, c'est trop. On peut même pas les ramener, donc. J'ai fait un home run encore. Merde. Mais faut pas faire des home runs. Mais j'ai pas fait exprès. Allez, vas-y, on y va. Un petit peu quand même, mais j'ai pas fait exprès. On y va. Donc, l'île, elle est là-bas. Tes pneus! Ils sont où? Ah bah oui, on sait jamais si ça pouvait les traîner, non? Ça peut pas? Non, ça bloque le bateau surtout! Oh là là, mais quel bateau de chochotte aussi! Bah oui, c'est n'importe quoi! Donc là, c'est sur la. Franchement, t'as vu la taille du bateau? On peut même pas ramener 3 pneus! Ah, j'avoue, ça craint! Hein. En fait, il y a un problème de. C'est même pas un problème. C'est un problème du genre, j'ai l'impression que c'est un problème de collision, tu vois. Ouais. Genre, le pneu et le bateau sont considérés comme des entités. Et du coup, quand tu les poses dessus, ils sont en collision. Et ça fait n'importe quoi, quoi. Et c'est ça débile, qui est hein. Dommage. Bon, excusez-moi, je gueule peut-être un peu aujourd'hui, mais.
Oh, t'inquiète, Je suis on m'a malade un fait. peu, je l'ai bouché, je... Voilà. Faut pas Mille excuses. te. Faut pas te quêter, hein. Je suis du mort. Du mort. Allez, c'est bon. Hop, je saute à l'eau. C'est parti. Hop, je saute à l'eau. Un homme à la mer. J'avais prévu quand même d'appuyer sur Ouais, l'encre. j'ai vu l'encre tomber, j'ai fait ah le coquin. Allez, go. S'il y avait un requin, comment j'aurais gueulerie. Bah, je l'aurais tué, hein, puis voilà. N'empêche, lance-harpon, tous les trucs à munitions et tout, les trucs les moins rentables du jeu. Autant vous dire même que ça sert à rien. Ouais, je vois. Je sais plus si tu te rappelles, je sais pas si tu l'as regardé le narratif qu'avait fait le joueur du grenier, mais il avait utilisé beaucoup beaucoup de munitions avant de tuer le requin, hein, si je me rappelle bien. Mais lui, il était allé sur un, enfin, vers des endroits de ouf aussi. Franchement, on allait jusqu'au bout de la map. Je vois pas Ouais, ce qu'on mais peut faire de plus, hein. lui, il y avait un, je crois si je me rappelle bien, il y avait un gros mégalodon là, tu sais, en plein milieu de l'eau. Je pense qu'on a loupé un truc, hein. Ouais, c'est fort possible, hein, mais après, est-ce que c'est présent en multijoueur ou pas? Ah bah ça, je don't know. J'ai fait n'importe quoi. Ok. Ok, bon. On est arrivé au camp. Oh. Ah bah tu vois, il y a un caillou qui a poussé, regarde. Juste Un là, là. caillou qui a poussé. Ouais, regarde. Ouais, Mais il non, a... c'est moi qui l'avais posé. Ah bon? En plein milieu du Ouais. sable? J'avais posé par là. Ok. Alors, je vais mettre ma lampe là pour l'instant. Ouais, je vais faire comme toi. Les cailloux. Tac. Ça me fait... J'ai pas beaucoup de pierres, mon ami, hein, je suis désolé. Ah, j'en avais plus que toi. J'en avais 6, t'en avais 5. Je vais faire cuire la viande. Il y en a déjà 2 de près, si jamais. Au besoin. Tac. Je suis surtout soif là, actuellement. J'ai tout bu, hein. J'espère que t'avais pas soif. Hein. Bah si, hein. Non. Je peux tenir, ou au pire, je peux boire une noix de coco, ça fait longtemps. Puis j'ai une ration, ok. Ah bah tiens, au pire, si t'as besoin d'une ration, je vais la garder. Non, on va la garder plus si on est dans la mouise. Eh, moi je me fais une noix de coco aujourd'hui. Ça fait longtemps. Bim! Non, je me suis trompé là. Hein. Si, ça... Tac, 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 tac. Noix de coco! Ah là là. Où elle en est là, la patate? Ouais, ça pousse, ça pousse. Oui, ça a poussé, mais c'est Ah pas. si, regarde mon ukulélé, il grandit là. Mon ukulélé. Ah bah si, ça a poussé la potate là. Ouais, mais ce rythme-là, on peut faire beaucoup d'essence. Hein. J'avoue que c'est compliqué. On va faire d'autres parcelles au pire. Hein. Bah, refaisant une, puisque j'ai. Je sais pas où je l'ai foutu, mais j'avais une patate. Un monsieur ou une madame patate? Parce que. Pas pareil. Je sais pas, il est hermaphrodite. Ah, c'est un yel. C'est un yel, exactement. T'es où? Tiens, je te donne la patate. C'est quoi? Ah, c'est à planter! Ouais, je pense c'est mieux de la planter, hein. Ah bah je pense aussi, attends, faut que je m'équipe. Alors, Si on voilà, veut espérer faire de l'essence. Ok. Il est Ah, là, mon ok. feu, il s'éteint. 2, 3, Put. 4. Je suis content, j'ai 5 caisses.
Ah oui, c'est vrai. Tiens, bah, tu vas aller là-dedans. Et hop. Et hop. Et donc. Ah, mais il me faut du bois et tout. Oh là là, ça va être un délire, ça. Tu les mets où, tes caisses? T'as pas peur qu'elles s'envolent? Attends, faut que je me fasse une étagère aussi, moi, pour mes caisses. Non, les étagères, faut y faire sous le bateau, hein. Ouais, mais je vais m'en faire une, justement. Comme ça, je pose mes caisses et comme ça, j'ai pas tout sur moi tout le temps. Parce que ça fait un peu beaucoup. Tu vois. Alors, consommable, fabrication. Sur pareil, les gourdes, là, ça sert à rien de rien, ça. Hein. C'est étagère à récipient, mais j'ai même pas ce qu'il faut. On a un truc pour faire des planches en bois? Je sais même pas. Parce que toi, tu les as mis là. Bah, attends, au pire, je vais les mettre. Je vais le mettre là, à côté de l'arbre. Puis j'ai fait n'importe quoi. Hop, fibreux. On a combien de pierres là du coup? 11. C'est déjà ça. De cordes, j'ai sûrement avoir besoin d'une corde. J'ai que deux planches. Ah, mais si et des bulles ça. T'aurais pas une planche en bois de bois? Planche en bois, ça n'existe pas ça. Si, si, c'est les planches en métal bois là. Là comment ils appellent ça déjà? Des ferrailles planches. Bah, il nous faut des... Ah bah, fabrique de planches. Il te faut une bûche. Ouais. Une bûche? Il te faut une bûche, tu vas vers... On a pas de fabrique de planches? Alors, attends, on va faire ça dans l'ordre déjà. Je vais commencer par la parcelle de culture. On va faire ça en bois, parce que... Une ficelle, 4 bouts de bois, très bien. Une ficelle, j'en ai une dans mes caisses... Bah, on n'a pas de fabrique de planches, donc je te propose qu'on fasse une fabrique de planches. Hein. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Ou une hache perfectionnée. Alors attends, hache perfectionnée. Ok, ça m'a pas l'air trop compliqué à faire. Ok, ok, je vais faire ça. Je vais faire la fabrique de planches. Vas-y, moi je fais la parcelle de bois. Enfin, la parcelle de terre. Enfin, la parcelle de cultivable. Du cuir, on en avait un quelque part de cuir. De toute façon, j'ai ramené des pots. J'en ai moi, dans une caisse de pots. J'ai de la peau, j'ai pas de cuir. Je l'ai utilisé. Je sais pas pourquoi. Où les... Là, mes caisses. Des patates ici... plantées. Et là, on en mettrait là, deux. Là, cuir. Perfectionner hache. Voilà. Ensuite, il me faut... Un marteau rudimentaire. Deux pierres, un bout de bois et la ficelle. Ficelle, il t'en faut combien? Merde. Il m'en faut une. Bout de bois et... Où est-ce qu'ils sont les fibreux? Là. Il fait nuit, on va rien y boire. Marteau rudimentaire. Ensuite, il nous faut 4 bouts de bois. Ah, une bûche, mince. On n'a pas de bûche. Si, attends, j'arrive. Bah, celui-là. Bûche et encore un tissu. Et voilà, t'as une bûche. Ok. Nickel. Et du coup, il me faut... Fabrique de ferraille planche. J'aime trop les traductions de jeu. Ferraille planche, ça veut strictement rien dire. Mais des traductions, c'est déjà bien. C'est déjà pas Et mal. Là, normalement, avec la fabrique de ferraille planche... Comment ça marche du coup pour faire de la ferraille planche? Ferraille planche,
Ah, ferraille planche, il nous faut. Ah oui, il faut des bûches que tu emmènes à la fabrique de ferraille planche et tu pourras y transformer en ferraille planche. Ok. Donc faut que j'amène des bûches. Et ça va me faire des ferrailles planches. Ouais. Ok. C'est plutôt pratique, j'ai envie de dire. Bah oui, plutôt en vrai. Les patates. Ah, ah, elle est presque poussée celle-là de peut-être. Eh ben voilà, une patate poussée. Ton yucca, il est poussé par contre. Je sais pas comment tu le récoltes, mais il est poussé. Hein. Ah bah faut le taper, hein. Et il a poussé, poussé? Bah, je Ah sais oui. pas, ça a l'air. Hein. Ah si. Bah faut le taper, ça fait des fibres. Ok. Alors, juste les feuilles de palmier. Ok, ferraille planche. Je tourne en rond, je sais plus quoi faire. Alors moi là j'ai ma bûche. Et il est où le machin? C'est ça là? Ouais. Alors je fais comment? Tu te mets à côté, tu prends le. Bon, comme d'habitude, tu fais Ok. dans ton truc de craft, ferraille planche et hop. Bah écoute, j'en fais deux. Ça en fera toujours une de plus que ce que j'ai. Alors, parce qu'en fait, moi, je voulais faire quoi? Tu te rappelles? Non, je me rappelle pas. Ah si, étagère, étagère pour mes caisses, parce que ça me faisait trop. Mais ton bateau, il fait pas confiance. Pas confiance. Comme ça, t'as pas confiance en mon bateau. Non, j'ai pas confiance. C'est quoi ces gens qui ont pas confiance en mon bateau là? Ah ouais, une nattelle, une outre. Une outre, c'est bien une outre. En outre, oui. Ouf. Mais je suis trop marrant comme Ah, mec en j'avoue que fait. là, t'as dépassé les bornes des limites. Hein. Étagère, récipient. J'ai fait beaucoup de bornes. Alors, il faut que j'aille sur le bateau, par contre. Allez, on court plus vite. Une Plus vite. pierre, c'est la première. Ici, Pierre, la feuille, pierre. ciseaux. Ok. Ça, j'ai envie de le mettre peut-être plus par là, je sais pas. Bah écoute, je vais la mettre là, l'étagère, tant pis. Hein. Je trouve que c'est pas mal, au moins ça fera un contrepoids. Du coup, c'est possible qu'il y a des oiseaux qui viennent sur notre île. Hein. Bah on va pouvoir les tuer. Je pense que ça les tue tout seul, ça. Je sais pas trop comment ça marche. Par contre, faudra pas perdre le radeau parce que je vais pleurer, moi. Non, il y a l'ancre. Pourquoi tu veux qu'on perde le radeau? Parce que des fois, on est fatigué. Ah, j'espère que t'as bien réparti le poids, hein, par contre. Hein. Ouais, je l'ai mis de l'autre côté. Ouais. Oh, tu verras, c'est. C'est carré, carré. Tu connais? On est carré. Ah, tu connais carré? Ouais. Je sais pas qui c'est. Hein? Sérieux? Ouais, c'est qui? Bah, c'est un rappeur. Carrie ou Carice? Un Caris. Ah, Carrie! Ah si, si, il connaît! Ah si, si! Ce se met où le piège à poisson? Dans l'eau, hein, techniquement, hein. Franchement, je On veut sais pas. choper du poisson. Attends, y'a quoi là? Une Est-ce que ça planche? se met profond ou ça se met pas profond? Sortie de son contexte, cette phrase n'est quand même pas politiquement correcte. Maintenir E à poser. Oh! Ok. Ouais, Alors c'était profond. Moi, ah. non! Ah! Au secours! Je vais mourir dans Alors. notre souffrance, je suis empoisonné. Ah, ok. Au revoir. T'as fait comment tout à l'heure en fait? Ah bah j'ai chopé une petite plante jaune. T'en veux une d'ailleurs si jamais j'ai. Hein. Ouais, bah oui, j'aimerais bien survivre, oui. Où est-ce qu'elles Le mec sont? qui me demande si je veux vivre. Bah oui. Mon ami, aujourd'hui tu as le choix. Soit tu meurs, soit tu viens vers moi. Que choisis-tu? Où est-ce qu'il est? Je suis là derrière toi, derrière toi, derrière toi. Voilà pour toi, mon ami. Tu prends ta gourde qui est dans ta caisse en bas sur le bateau
Tu je peux en avoir une. peux te faire un... Parce qu'il en a plusieurs en plus, lui. Lui, c'est pas... lui, c'est un gars, il en a plusieurs. Ouais, Moi, j'en je ai suis un plein. gars, je trie mes caisses depuis tout à l'heure. Lui, il a plusieurs trucs et tout. Ok. Antidote. Ça, on va l'enlever. Parce que... Antidote. Parce que forcément... Voilà. Tac. Voilà. Ça y est, je suis plus empoisonné. Ah, bien joué, très clownet, c'est très 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 bien. Heureusement que je suis là, hein, parce que... Alors, ruban adhésif, machin et tout, bah ouais, heureusement que t'es Voilà. là, parce qu'en plus Et tu l'as j'ai... trouvé où cette feuille? T'as bien cherché, je suis sûr. Tout bulot. Bon, bah je crois que j'ai fait le tour de mes caisses, y a rien d'intéressant. Waouh! Enfin si, y a plein de T'as trucs faim un intéressants, peu, juste. beaucoup ou pas? Moi? J'ai... Ouais. Non, ça va, vas-y, mange, fais-toi plaisir. Non mais parce que j'ai de la grosse viande là, ça te donne de Ah, la bouffe de ouf, hein. moi c'est bon là pour l'instant, je suis bon. Bah moi aussi. Mais il faut la manger avant que ça soit pourri, hein. Tu l'as fumé? Ouais. Ah, c'est bon. Bah je l'ai pas fumé, non, je l'ai mangé. T'as compris la blague? J'ai compris la vanne, frérot. C'est rigolo, hein. Ah, franchement, c'est marrant de ouf. Et j'ai plein de viande moyenne de sanglier fumé, viande moyenne de crabe fumé. Ouais. Voilà, je nous ai fait tout un stock de bouffe. C'est la boussole qui a pas sa place là. Eh ben c'est parfait mon petit traclounet parce que faut savoir que je vais être à un moment donné fatalement dans la panade. En tout cas, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode, mon cher Colton. Ah. Eh ben très bien, très bien. Je te propose de le finir avec quelque chose. Tu Dis-moi veux tout. bien venir par vers moi? Oui, je viens pas faire toi. En vrai, je suis dans mes caisses depuis tout à l'heure, c'est magnifique. Ouais, bon, bah, attends. Attends, je récupère juste mes caisses et je vais les mettre là-bas, là-bas, mais attends. Il est où? Il est là-bas. J'arrive avec ma caisse. J'ai passé tout l'épisode à vérifier mes caisses, quoi. C'était. Attends, on va quand même. Est-ce que tu peux Brich! Ah, récupérer mais non, il est cette tout. Il faut. pomme de thé? Il faut attendre. Merde. Il faut attendre qu'il pousse. Le yucca, il est trop petit, là. Cette pomme de terre, tu veux la récupérer déjà? Bah, je sais pas, c'est le rond il est rempli, c'est que c'est fini, non? Ben, je sais pas, je peux pas la prendre. Et je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais tu fais des trucs comme ça depuis le début. Attends, je crois que c'est parce qu'il me faut mon. Excuse-moi. Il te faut ton marteau, là. Ouais, bah ben, le l'appareil à. Tac. Et là, eh non, je. Parce que si je maintiens E, en gros, ça me nettoie la parcelle, donc c'est pas ouf. Peut-être que c'est pas poussé, que c'est rien que l'eau, le petit rond là. Et dans ce cas-là, c'est que ça pousse vraiment très lentement. Bref, je voulais finir l'épisode en faisant de l'essence, mais du coup, bah, ça sera pour le prochain épisode. Bah, j'ai pas des pattes. Ah non, on les a plantées. Oui, t'as raison. Ah mince, et oui. Et c'est dommage. Bah, moi, je vais aller Tant pis, ranger tant mes pis. caisses. Attends que je range mes caisses avant de tout couper. Parce que c'est lui qui a le lead de la partie, donc si jamais, toi, vous avez compris le délire. Ah, j'ai Mais oublié que le radeau, je peux faire l'outro quand même. Tu peux ranger tes caisses Ça, je en regarde. off, Ça, on va regarder. mon cher Colton. Ah mince, il manque une caisse. Ah, j'ai Je te entendu. parle. Ah oui, excuse-moi, oui, j'ai entendu, tu m'as dit, on peut faire en off, il n'y a pas de souci, vas-y mon ami, faisons cela. Fais gaffe parce que moi j'ai une lance rudimentaire qui est nulle. Et si tu la Moi j'ai une perfectionnes, lance tu peux taper. perfectionnée. Ouais, bah si tu la lances, elle casse direct la lance. Elle pue. Regarde. Moi Sans, j'ai un regarde, couteau. regarde. Sans. T'as vu, elle pue ta lance, elle pue. Et Enfin bah bon. moi j'ai une pioche. Ah ouais, moi j'ai une ration de survie. Moi j'ai du fibreux. Ouais, mais regarde, moi là, c'est comme si j'avais de l'or dans les mains et que toi t'avais ton. Moi, c'est comme si j'avais de Excuse-moi, l'or mais le dans les mains. fibreux, il sert bien plus que ta ration de survie, hein. Ah bah non, parce que la ration de survie, ça donne de l'eau et du manger, hein. C'est important pour la montre. Parce que si la montre, elle a plus de barres, on meurt. C'est vrai ça, hein, fatalement. Ah, V, hein. En Bon. tout cas, ça va, on s'est bien installé quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, on est tranquillou. Bon, c'est un petit camp de clochards. On a un peu tout là, en vrai. On commence à être Ouais, bien. on commence.
tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner et activer la cloche. À faire un petit tour sur TikTok, surtout que j'ai rajouté les collections. Donc si vous allez dans les collections sur TikTok, vous avez la série complète en une fois à la place de chercher dans toutes les vidéos. C'est plutôt pratique. Exactement. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut à tous et merci à vous.